tous et à tous, on se retrouve aujourd'hui, donc le vendredi 3 septembre, pour la première étape des 3 jours de Charbourg. Donc alors, environ 150 coureurs vont s'engager. Ils vont partir pour 146 km de Thaon-la-Ville à Port-Bail. Donc nous sommes à la mairie de Thaon-la-Ville et les coureurs vont parcourir toute la côte est en passant jusqu'à Port-Bail pour une arrivée sur le circuit de la Gainsbar. Ils vont monter la côte de la Pernelle, 1 km, avec un maximum de pourcentage de 13%. Ils vont faire la côte du Vin, 1 km aussi, mais avec un pourcentage de 10%. Et la côte de Beauvais, 0,900 mètres et 15%. L'arrivée se fera à Port-Bail avec 2 tours et 3 quarts dans Port-Bail, avec un circuit de 30 km sur le circuit cher à André Quentin. Bonne course et bon visionnage. Bonjour à tous. Comment est la forme aujourd'hui? Vas-y. Bah, on a fait un peu de route là ce matin, donc on va voir comment ça va aujourd'hui. Mais les sensations sont bonnes, il y a de la confiance dans l'équipe, donc on va voir. Ouais, on est sur une bonne dynamique. Parce qu'on, on vient juste de remporter la Coupe de France en N2, donc faut rester sur cet élan-là et puis on va faire du mieux qu'on peut ce week-end. Comment trouvez-vous le circuit aujourd'hui? Il n'est pas forcément très difficile, mais je pense qu'il peut être assez piégeux avec le vent. Il va falloir être vigilant et puis faire les efforts au bon moment. Ouais, c'est un circuit où il y a un peu de vent quand même. Il y a une partie où on prend beaucoup de bosses à partir du kilomètre 27 jusqu'à la cinquantaine de kilomètres. Donc je pense que ça va être une partie décisive et puis tout le retour est un peu plus plat, donc ça va rouler vite aujourd'hui. Ça va être un beau parcours, je pense. Quels sont les objectifs de l'équipe pour cette étape? Là, aujourd'hui, ça va surtout être vigilant. On connaît à peu près les leaders de chaque équipe, donc il va pas falloir laisser perdre beaucoup de temps. Et puis il faut quand même penser aux jours suivants qui vont être un peu plus compliqués qu'aujourd'hui. Donc voilà, faut pas faire trop d'efforts et en même temps faire les efforts qu'il faut. D'accord. Et pour finir, quelle est l'étape la plus difficile pour vous? Oh, je pense que tout le monde parle de dimanche, mais à mon avis, celle de demain, pour moi, elle semble être la plus compliquée. Ouais, on parle souvent de l'étape de dimanche. Je pense que les deux étapes qui viennent, le samedi et le dimanche, vont vraiment être décisives pour le classement général. Donc ça va vraiment être samedi et dimanche qu'il va falloir faire attention. Avec la fatigue et tout. D'accord, bah merci beaucoup pour l'interview. Merci à vous. Comment est la forme aujourd'hui? Compliqué, début de saison compliqué, du coup on vient là un peu pour finir la saison tranquillement, mais on va essayer de faire ça au mieux. Comment trouves-tu le circuit aujourd'hui? Bien, surtout une arrivée au sprint potentiel, contrairement aux années d'avant qui sont plus dures, donc là c'est bien, ça change, ça varie. Est-ce que c'est la première fois que tu participes aux 3 jours de Charbourg? Non, troisième fois du coup. D'accord. Depuis quelle est l'étape la plus difficile pour toi? Demain, ça sera la plus dure demain et ça a toujours été la plus dure. Quels sont les objectifs de l'équipe pour cette étape? Bien placer du monde au général aujourd'hui. Et puis on verra après pour la suite pour les étapes qui sont plus dures. D'accord, merci beaucoup. Bonjour Romain. Comment est la forme aujourd'hui? Ça va, je me sens bien et puis on a une bonne équipe, donc on va essayer d'être performant et puis de ne pas rater le bon groupe aujourd'hui. Comment trouves-tu le circuit aujourd'hui? Aujourd'hui c'est un peu vallonné au début, après c'est un peu plus plat en allant en traversant la mer, en traversant la Manche et puis en allant vers la mer à Port-Bail. C'est un peu plus plat à la fin. Quelle étape est la plus difficile pour toi?
demain et dimanche. J'ai pas regardé tout en détail, donc on va faire au jour le jour. Quels sont les objectifs de l'équipe pour cette étape? On n'a pas d'objectif précis, on va essayer d'être devant et puis de gagner l'étape quoi, mais avec n'importe quel coureur. Ok, bah merci beaucoup, bonne course. Merci. Bonjour, comment est la forme aujourd'hui? Je sais pas trop encore, je suis en reprise après une coupure, donc on va découvrir les jambes sur le coup pendant la course, mais ça devrait pas être trop mal. Comment trouves-tu le circuit aujourd'hui? On a reconnu un peu le début, il est intéressant avec de grandes lignes droites qui peuvent être exposées au vent, donc si l'occasion se présente, les bordures pourront faire la course dès le début, donc ça pourrait être bien. Est-ce que c'est la première fois que tu participes aux 3 jours? Ouais, c'est ma première participation. Quels sont les objectifs de l'équipe pour cette étape? L'objectif est bien sûr la victoire de n'importe lequel d'entre nous. C'est de gagner et de faire une belle course collective. Quelle étape est la plus difficile à ton avis? Je pense que les deux dernières sont très difficiles, notamment dimanche avec l'arrivée en haut du fort. Voilà, c'est un beau parcours. Merci beaucoup. De rien. Faudra pas louper la première étape. C'est clair, pas forcément. C'est la plus facile hein, sur le papier, mais pas forcément la plus simple à négocier puisque vous allez quasiment avoir le vent de dos, vent de face pendant une quarantaine de bornes et après le vent de dos, je pense que ça va rouler vite. Ouais, ça va rouler vite. Bon, on sera vite rentré à l'hébergement. Et bon, je connais un peu les routes, donc ça va aller. Belle équipe en plus aujourd'hui. Ouais, on a une bonne équipe. Il y a Adrien qui nous a rejoint là, qui a complété l'équipe. Donc voilà, on est content d'être là. Voilà, nous aussi, en tout cas. Voilà, merci messieurs, bonne course. Et donc peut-être à tout à l'heure, hein, peut-être à tout à l'heure. Belle brochette d'arbitres hein, ici, voilà. Hein. Ils sont 4 et 8, voilà, donc présents. Donc ici pour les photos, et on sourit, hein, voilà, oui. Et on enlève le masque, oui, voilà. Si on peut, hein. Et on le remet juste après. Voilà, c'est bon, voilà. Bonjour Bernard, nous voilà à quelques heures du départ. Comment te sens-tu? Un peu stressé, mais bon, en espérant que tout va bien se passer, mais il n'y a pas. Avec l'équipe que j'ai, je pense que ça va très bien se passer. Comment se sent l'équipe de l'organisation pour cette édition 2021? Un peu tendu, mais bon, confiant quand même. Si la météo est clémente, il n'y a pas de raison. Tout est prêt? Tout est prêt. Si tu avais une phrase à dire aux personnes qui nous écoutent, ça serait laquelle? Venez voir les coureurs, ils vont vous offrir un spectacle extraordinaire. Merci beaucoup Bernard.